Les jeunes qui affectionnent particulièrement Halloween, ils seront quelques-uns ce soir à sillonner les quartiers déguisés en morts-vivants et autres sorcières. Nous allons tout de suite rejoindre Mélodie Uhila Moafa Sione du côté de la mission. L'association Vaimahina no Te Papa a décidé de fêter dignement Halloween cette année. Bonsoir Mélodie, il y aura distribution de bonbons ce soir. Bonsoir Cybèle, c'est bien ça. Alors il fallait d'abord mériter ces bonbons. Avant cela, à partir de 17h, ces 200 enfants du quartier de la mission se sont vus proposer des activités, mais des activités aussi par rapport à la fameuse fête d'Halloween. Donc nous sommes avec la présidente de l'association Vaimahana, qui est justement à l'initiative de la fête de Halloween de ces jeunes. Alors présidente, comment ça se passe? La mission accomplie pour cette première? Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais saluer tous les spectateurs et spectatrices qui nous regardent ce soir. Effectivement, c'est un point positif pour nous, pour l'association, de pouvoir fêter Halloween avec tous ces enfants du quartier. Depuis 2 ans, avec le Covid, nous n'avons pas pu honorer cette fête d'Halloween. Alors, c'est nous qui allons vers les enfants pour pouvoir distribuer les bonbons. Halloween. Cette fois-ci, avec cette ouverture, nous avons pu fêter Halloween avec nos enfants du quartier. Et comment avez-vous financé justement ça? Alors nous tenons tout particulièrement à remercier la ville de Papeete, notre maire Michel Bouillard et son conseil municipal, ainsi le contrat de ville et l'association Vaimahina. Quelle est la suite? Alors la suite, le 26 novembre, nous avons le repas des Matahiapo. Et le 16 décembre, nous allons clôturer l'année avec la Noël des enfants. Alors, juste un dernier mot, je voudrais souhaiter à tous une bonne fête de la Toussaint et que Dieu vous garde. Pas mal. C'était Mélodie Oulamon passionnée de la mission. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.